Oui, je pense que ce projet FABA est le bienvenu pour le développement de la filière banane plantain dans notre pays. Je suis camerounaise. Et surtout, l'objectif de ce projet étant, n'est-ce pas, de développer ici l'outil pédagogique qui va aider les producteurs à produire plus et mieux sans pesticides. Et ça, en tenant compte donc des enjeux de nutrition, d'emploi, de sécurité alimentaire et même que la protection de l'environnement, ça c'est très important. Donc quand on peut produire, je peux dire bio, parce que c'est comme ça qu'on appelle chez nous, la santé est un capital à préserver pour l'être humain. Donc lorsqu'on produit pour manger, on doit produire une nourriture saine et apprendre aux producteurs à changer des techniques culturales qui utilisent les engrais biologiques à travers les images simples où chacun peut comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour une agriculture écolo qui va améliorer la santé de nos productions. Je crois que c'est très important et pour nous, nous accueillons et nous disons merci à ce projet FABA, à la collaboration Sud-Nord-Sud qui nous apporte, parce qu'il y a un adage qui dit au lieu de donner le poisson à un enfant, il faut plutôt lui apprendre à pêcher. Et c'est le cas ici, nous sommes venus apprendre à pêcher nous-mêmes pour booster le développement de notre région. Et ça, je vous remercie grandement. Oui, justement, c'est réalisable. Parce que déjà, ces pesticides-là coûtent cher. Maintenant, si on peut produire d'une autre manière en utilisant les engrais biologiques locaux qu'on peut trouver localement, je crois que c'est avantageux et pour le manipulateur et pour le consommateur. Parce que quand on utilise les pesticides, il y a un risque pour la santé. Déjà pour celui qui les manipule et même celui qui va consommer ces aliments qui sont faits à base de produits chimiques. Et je crois que si on peut écarter tous ces dangers, le monde va se réveiller. Si on peut empêcher de détruire la nature, et je crois que nous allons gagner. Et puis on dit la production de gaz à effet de serre va être réduite considérablement pour la vie du monde entier. Et chacun doit jouer sa partition à son niveau pour que cela arrive et que nos enfants puissent venir vivre aisément dans cette planète.